la mère d'une petite fille naissant en bras, dans les Bouches-du-Rhône, n'a pas été convaincue par les explications données par les médecins. Trois bébés sont nés avec des bras mal formés entre juin et novembre 2016, près de l'étang de Berre, Bouches-du-Rhône. L'Agence Santé publique France va étudier ces cas pour les intégrer ou non à son enquête nationale sur les bébés naissants en bras. J'aimerais pouvoir lui répondre, lui dire pourquoi elle a une malformation, a confié à France Bleu Provence lundi 21 janvier, Elisabeth, la maman d'une petite fille, de 2 ans, née sans avant-bras droit. La culpabilité est venue bien entendu. Après, on nous a dit que c'était la faute à pas de chance. Donc là on espère vraiment avoir des éléments pour expliquer à notre fille pourquoi elle a une malformation. Dans quelques années, on va avoir les questionnements. La faute à pas de chance, c'est trop facile, on ne peut pas rester sur ça, a expliqué Elisabeth. Le premier réflexe, quand le bébé est né, ça a été de me dire qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il lui arrive ça. Elisabeth sur France Bleu Provence après la naissance de leur fille, Elisabeth et son mari. Pas convaincu par les explications des médecins, c'était alors tourné vers une association, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres personnes, situées dans les Bouches-du-Rhône, donc on a pris, lire la suite sur France Info.